Bienvenue pour ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. Alors, on le rappelle Marc, la mission de Global Bioénergie, je vais le faire court, c'est de trouver une alternative naturelle à des ressources d'origine pétrolière utilisées dans de multiples applications, notamment les biocarburants ou encore... La cosmétique, Marc, vous étiez venu sur le plateau du journal des biotech. C'était en juin dernier. Vous nous aviez expliqué que plusieurs euh, grands acteurs de la cosmétique, dont L'Oréal, avaient passé leur première commande. À l'époque, c'était pour plusieurs tonnes diso 12, l'isododecane d'origine naturelle que vous produisez. Le tout moins de deux mois après la mise en service de l'unité de production commerciale de Pomac. Et là, vous accélérez, sans mauvais jeu de mots, euh, puisqu'après nous avoir parlé <coughs> maquillage naturel à tenue prolongée, vous voulez maintenant nous emmener sur les circuits de Formule 1. Ben absolument, il s'inverse un élément nouveau. En 2022, la FIA, donc la Fédération internationale automobile, a décidé de se priver du pétrole. Mm. C'est-à-dire qu'en 2026, il n'y aura plus une goutte de pétrole dans les formules 1. Alors les Formule 1, c'est des moteurs extrêmement performants oui. ça demande des essences spéciales. Mm. Et ben, tout le monde réfléchit à comment faire pour, mm. euh, pour remplir ces réservoirs euh, de façon euh, plus naturelle, plus écologique, ouais. avec que des biocarburants. Et il se trouve qu'il ben, y a besoin de nous. Il y a, on peut mettre un peu d'éthanol, on peut mettre un peu de ceci, on peut mettre un peu de cela, mais les ingrédients qui apportent vraiment la performance, ouais. eh ben, ce sont des dérivés d'isobutène. L'isobutène, c'est la molécule que nous produisons, ouais. et donc il y a vraiment besoin de nous. Euh, on fait plusieurs dérivés d'isobutène qui ont un intérêt, deux en particulier, L'iso-octane, c'est la référence pour l'indice d'octane, c'est du super sang. Mmh. par définition, mmh. et puis on en fait un autre, de l'ETBE, qui est euh, le, le mariage de l'isobutène et de l'éthanol. Ces deux composés, ils ont leur place dans la formule 1 en 2026, et donc on commence à travailler avec les acteurs du domaine. La FIA nous a invités récemment au Technical euh, Work Package, mmh. donc à une réunion pour préparer cette, euh, cette, euh, cet événement plus de pétrole dans la Formule 1 en 2026. 2026, ça arrive très vite. Marc, quand même les gens qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas ni des chimistes experts, qui sont peut-être aussi un petit peu plus loin de l'activité de Global Bioénergie, se disent, mais attends, c'est quoi le rapport, même si on comprend bien, entre la Formule 1 et les cosmétiques Est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de s'éparpiller chez Global Bioénergie ben En fait, c'est l'ADN de la société. C'est-à-dire oui. que la société, elle a été fondée sur un procédé. Il s'agit de convertir les ressources végétales en isobutène. L'isobutane, c'est une des briques essentielles de la pétrochimie dont on peut faire plein de choses. On parle d'un arbre produit, on peut oui. faire des carburants voiture, des carburants avion, on peut faire des plastiques, on peut faire des caoutchoucs, on peut faire de la chimie fine, des parfums, des arômes, de la cosmétique, on peut faire tout ça. Et donc, nous, notre objectif, c'est de, de, de promouvoir notre technologie et de la faire se, se, se développer dans tous ces domaines. Oui. Alors évidemment, on ne les choisit pas euh, n'importe comment on choisit aujourd'hui les marchés de niche à haute valeur ajoutée. Oui. Nous, on peut amener de la performance, mmh. on peut répliquer les molécules qui sont faites à partir de pétrole, donc les molécules haute performance, mmh. et donc, assez naturellement, on va tomber sur les marchés à haute valeur ajoutée. La cosmétique, c'est un marché à très haute valeur ajoutée. Le, le, le rouge à lèvres, ça coûte plusieurs milliers d'euros le kilo au c'est-à-dire en prix de vente, euh, grande, grande surface oui, oui, oui. Ou, ou parfumerie. De la même façon, la, la, la Formule 1, c'est un marché à très haute valeur ajoutée. Oui. Donc on se dit qu'on va pouvoir vendre nos volumes avec un prix relativement élevé qui va pouvoir absorber nos coûts oui. dans ces marchés euh, particuliers, dans ces niches de marché. C'est en fait notre point d'entrée sur le marché. Alors la cosmétique, on, on, on y travaille depuis un certain temps déjà. Oui. On a commencé une collaboration avec L'Oréal en 2016, me semble-t-il, donc ça fait un moment. La Formule 1, c'est un invité surprise, donc c'est euh, la décision... 2022 de la FIA. On, on, on se dit d'ailleurs que la Fédération Internationale de Moto va lui va le suivre, pas, ouais. peut-être. Mm -hmm. Et donc, on se retrouverait aussi avec une, une, une nouvelle offre sur ce, ce deuxième marché qui est un peu différent. Et, et, et donc, aujourd'hui, ces deux marchés cohabitent. qui sont effectivement très différents. Nous, ça nous, euh, on s'amuse beaucoup. Hein, <laughs> on, on, dire On, on évolue dans, ouais. des, dans des domaines très différents. Et, euh, et, et, et tout ça a une cohérence, puisque c'est le même procédé à la base. Bon. L'essentiel, le, c'est d'être à la bonne échelle. Donc, on est à la bonne échelle avec notre notre unité de pomates, des dizaines de tonnes par an, c'est la bonne quantité pour servir l'un et l'autre marché. Ouais, justement, euh, transition, toute trouvée, le site de pomates, on en a parlé, euh, il a débuté sa production en novembre, comment ça se passe vraiment, ça se, tout se déroule là comme vous l'attendiez au, au niveau de la, de la rentabilité de la production bah, Ça se passe très bien, on ouais. a commencé la production donc, en novembre dans cette unité, on a monté assez rapidement la production jusqu'à 50% de sa capacité, mmh. aujourd'hui on est à 75% de sa capacité, c'est-à-dire 1,5 tonnes par semaine d'isobutène d'accord. Alors, on peut pas convertir pour l'instant tout cet isobutène en dérivé pour la cosmétique ou pour mmh. la Formule 1, parce que euh, nos sous-traitants, le goulet d'étranglement... C'est ça, elle ouais. se passe chez, des, chez les sous-traitants et le goulet d'étranglement se passe là. Donc aujourd'hui, on peut convertir jusqu'à 20 tonnes par an d'isobutène euh, en dérivés haute valeur ajoutée pour la cosmétique ou la Formule 1. Bon, il y a de la production, il y a de la demande, il y a de la recherche aussi dans les nouvelles applications, euh, ce qui explique justement, on arrive à l'opération, cette augmentation de capital, 7,5 millions d'euros, avec euh, maintien du DPS. Pour un prix de souscription des actions nouvelles fixées à 2,07 euros par titre. D'ailleurs, il faut souligner que pour les gens qui n'ont pas de DPS, pareil, ils peuvent en acheter sur le marché ou ils peuvent euh, euh, souscrire à titre libre. Question rituelle dans sa bouche sur les marchés à quoi vont servir précisément ces fonds marques alors, un, un mot sur l'opération, effectivement, elle est ouverte jusqu'à vendredi prochain, donc euh, ceux qui ont des DPS peuvent les exercer, ceux mmh. qui n'en ont pas peuvent en acheter et les exercer. Il oui. faut, bien, faut bien penser à les exercer une fois qu'on les oui. a achetés. Non, et puis le titre libre, c'est s'il en reste, s'il y a des DPS qui ne sont pas exercés, bah, ceux mmh. qui, auront, euh, ex qui auront souscrit des oui. actions à titre libre, bah, peut-être qu'ils seront servis au prix de l'opération. Très clair. Alors, à noter aussi, euh, cette opération, elle est déjà souscrite, donc euh, l'Oréal fait sa part. Ouais. on doit en parler. Mais déjà, si, on, si on peut rester sur les... -ce que vous... Comment vous allez allouer justement les montants versés C'est en... trois, trois, ouais. trois tiers, grosso modo, alors c'est pas tout à fait des tiers, mais c'est grosso modo c'est un tiers pour euh, la filière actuelle qui existe aujourd'hui. Ouais. Donc pour euh, continuer de l'optimiser, continuer de, la, de réduire les coûts, de la faire fonctionner mieux avec d'autres ressources, d'autres euh, natures de sucre. Mmh. Donc, un, un, un tiers pour la, pour la partie euh, Horizon 2, comme on oui, l'appelle. Un deuxième tiers pour la partie Horizon 3. Donc on a un projet d'usine 2000 tonnes par an mmh. à Horizon mi-2026. Eh bien, il faut faire l'ingénierie, il faut organiser le, pro, le projet. On a en fait une banque d'affaires qui travaille sur le financement de cette unité, qui ne sera pas en propre sur Global Bioénergie. On mmh. ne veut pas diluer nos actionnaires avec une grosse levée de fonds euh, qui, qui, qui serait euh, dédiée à cette, à cette unité. Oui. On a créé une société de projet qui s'appelle Via Viridia, oui. la voie verte. Oui. Et, euh, et cette, cette société de projet, c'est elle qui va recevoir les investissements en capital et en dette. Donc il faut organiser tout ça, on passe une partie de notre énergie sur cette usine de l'Horizon 3. Oui. Et puis l'Horizon 4, l'Horizon 4, c'est une grosse unité, 30 000 tonnes par an. Dans ah la oui. deuxième moitié de la, de la décennie. Et il s'agit là de faire des marchés de gros volume. Le, le, le coût et le prix donc ont bien descendu. Ouais. Exactement. Ouais. Et là, on va pouvoir viser un marché qui, qui est en pleine ébullition C'est celui des carburants d'aviation durable. Les, car les carburants d'aviation durable, euh, on voit bien que dans l'aérien, il y a un problème c'est extraordinairement aussi un besoin, hein, polluant. Oui, on bondit sur un autre sujet encore, oui. mais, mais ce sujet, ça fait des années qu'on y travaille, oui. on est en pleine certification à l'ASTM, l'organisme oui. mondial de, de certification, et donc bah, on s'attend à, à passer une très grande étape, l'étape principale de la certification dès le mois d'avril. Ah, donc dès le mois d'avril, donc ça, ça fait du news flow à très court terme. Euh, juste pour cette opération, Marc aussi, vous, vous l'aviez évoqué, il euh, faut quand même dire que vous vous engagez, vous, à titre personnel, à hauteur de 160 000 euros, et vous êtes une nouvelle fois soutenu par un partenaire qui, qui devient un partenaire de longue date, hein, maintenant L'Oréal, via son fonds Bold. Et au total, vous disiez, 75% de l'opération est sécurisée. C'est quand même une belle marque de confiance et, et, et d'alignement. Euh, on parle d'alignement en ce cas-là. Euh, là, on est en plein dedans. Hein. Ben, C'est vrai, donc euh, moi, je souscris à titre personnel. Je, je, je constate mmh. que le titre global de l'énergie a été massacré ces trois derniers mois. Il avait bien tenu toute l'année 2022, mais sur les trois derniers mois, il a vraiment été massacré pour diverses raisons. Le, on a vu que les marchés étaient quand même compliqués. Oui. Moi, je pense que c'est euh, pas justifié, qu'en fait, on a bien avancé dans la tourmente mmh. financière qu'on a, qu a connue. Nous, la société a bien avancé. On n'a pas tout réussi, mais on a réussi un certain nombre de choses. On a dû annoncer des retards, donc on n'a pas tout réussi, on n'a pas fait un sans-faute, mmh. mais globalement, on a vraiment bien avancé et je pense qu'aujourd'hui on est sous-coté. Et donc, moi, je, fais, je, fais, je participe de façon importante à cette opération. Je pense que l'heure est venue du rebond. L'Oréal fait sa part. Ouais. Euh, un pool d'investisseurs institutionnels garantit l'opération à hauteur de 75%. Mmh. Donc, cette opération, elle va se faire. Mmh. Et puis maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être un petit, un moyen ou un grand succès Bon. Euh, euh, et, et vous le disiez, prochain rendez-vous très bientôt, dès le mois d'avril, peut-être avec une bonne nouvelle, donc avec l'STM Exactement, donc en fait, on, on, le, le processus de certification à l'ASTM, c'est 50 préparations oui. et ensuite c'est un mois de vote. Donc euh, tous les acteurs de l'aérien sont amenés à voter oui. sur est-ce que cette solution est sûr en gros dans l'aérien ouais. le problème c'est est-ce que est-ce qu'on est, qu on on est veut sûr qu'un qu moteur s'arrête en plein vol bah ben, voilà ouais. est-ce que est, ce sujet est sûr et donc ouais. il y a plusieurs différentes étapes mmh. il y a eu une étape avec les sept les sept principaux acteurs Airbus Boeing les motoristes qui ont regardé le sujet mmh. en détail il y a eu euh, un, un, une étape avec la fédération euh, la FAA la mmh. fédération américaine de, de l'aviation et puis là maintenant c'est le ballot donc on est dans le dans le vote d'accord donc on est en plein vote ça a commencé il y a une petite dizaine de jours et ça va se durer, durer encore mmh. trois semaines Et et donc, euh, ce vote, il est un peu essentiel. C'est-à-dire ouais. que c'est là que ça se passe. Après, il faudra encore que, si, si le vote est positif, la décision devra encore être entérinée par une, la commission plénière de la STM et ça se passerait en juin. Si on est euh, certifié, ouais. donc si notre technologie est certifiée, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dès demain, on va pouvoir vendre dans l'aérien. Ouais. Mais c'est un bon début. <laughs> c'est le début de l'histoire, ouais. en fait. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, on devient un interlocuteur crédible. Ouais. Euh, tout le monde devra euh, euh, s'intéresser, s'intéressera naturellement à cette technologie et on va avoir de nombreuses discussions qui vont s'ouvrir avec tous les acteurs du domaine, les compagnies aériennes, les motoristes, les, euh, les, euh, les acteurs du pétrole qui sont en fait les fournisseurs des, oui. euh, des, des compagnies aériennes, etc. Donc le début d'une histoire qui devrait nous emmener vers une grande usine 30 000 tonnes à horizon. Deuxième moitié de la décennie. Bon, ben voilà des projets, euh, plein les cartons et pas que, hein, des projets qui sont en train de s'écrire au jour le jour. Merci beaucoup, Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie, pour avoir partagé avec nous les raisons de cette augmentation de capital et les belles ambitions de notre société. Merci. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et je rappelle que si vous souhaitez souscrire à l'opération, et bien l'augmentation de capital est ouverte jusqu'au 24 mars prochain. Merci et à très bientôt.